Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mwekasa, fondateur de la Mwekasa House. Merci de faire partie de notre grande communauté, c'est un réel plaisir. Vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, soyez les bienvenus, votre première fois avec nous, enchanté. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les mains bredouilles. Alors, comment allez-vous? Comme je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pour comprendre les réalités présentes, il est important de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et apprécier la distance qu'on a parcourue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui pas seulement nous éclairera, mais nous permettra de comprendre comment parfaitement s'emboîtent les pièces du puzzle. L'Afrique a joué un rôle très important dans le développement du monde occidental. De Nice à New York, les populations mélanodermes, tirées de force du grand continent, ont été la base essentielle, le fondement, si pas la pierre angulaire du développement que vous voyez aujourd'hui. Peu avant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'Africains furent recrutés pour être conjugués aux forces françaises. Mais c'était principalement pour travailler dans les colonies françaises d'Afrique. Et évidemment, pour préserver les intérêts de la métropole, garder les comptoirs de commerce, faire la police sur les populations locales, ils étaient plus des hommes des mains que des libres militaires français. En 1910, le général Mangin, un général français, après avoir certainement mangé du fromage, ou du caviar, ou des grenouilles, écrit un livre intitulé « Recours à la force ». Il dit que le sang des Africains était le prix de leur dette à la reconnaissance pour la civilisation que leur auraient apporté les Français. Donc pour lui, la mort des Africains, par explosion, par déboîtement des jambes ou par décapitation, enfin peu importe, était justifiée dans les guerres françaises pour justement payer la dette de la civilisation. Allez, il vous a appris à manger du fromage, du camembert, du caviar, des pizzas. Continuons. Je vous rappelle qu'avant, certaines personnes venaient volontairement faire partie des unités françaises en Afrique, espérant recevoir un traitement équitable de la part des colonisateurs. Ils pensaient qu'en faisant partie de l'armée, ils seraient traités équitablement et leur famille serait épargnée des supplices que vivaient beaucoup de personnes. Mais en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, le volontariat laisse la place à la contrainte. Les jeunes sont pris de force, ravis brutalement de leur famille pour aller combattre pour la France. Allez la France, combattant pour la France, l'honneur de la France. Et la civilisation des pizzas, des confitures, des camemberts, et du champagne qu'on n'avait jamais bu, je suppose d'après le général Mangin. Continuons. Ces Africains combattant vaillamment pour la France sont connus sous le vocabulaire de tirailleurs sénégalais. Mais ils étaient en effet issus de 50 ethnies différentes. Ce qui composait les tirailleurs sénégalais, parce que les Sénégalais étaient recrutés en premier, ensuite on est allé chercher des gens de partout. On est allé chercher des gens forts sur le territoire qui constituait l'Afrique occidentale française, dans le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Burkina, le Dahomey, le Niger, et l'Afrique équatoriale française, dans le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine et j'en passe. Ils formaient tout ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Donc, beaucoup de jeunes hommes forts refusant de se battre dans une guerre des blancs, une guerre dont ils ne connaissaient pas la genèse, sont partis se cacher dans la brousse, dans les forêts, dans la savane, loin des recrutements forcés, influencés par des chefs locaux. Mais malheureusement, comme il fallait trouver une stratégie qui fait mal pour leur faire changer d'avis de force, c'est leurs familles qui en subissaient les conséquences. Et beaucoup refusant de voir leur père maltraité ou leur mère, décidèrent finalement céder à la pression pour aller combattre pour la France, au nom des camemberts, des pizzas, du fromage. Continuons. Pendant la même période, un jeune pasteur au nom de John Chilembwe, Il faut arrêter de franciser vos noms. Oh, Munungu, Musungu, Konate, Kumba. C'est quoi ça? Mon nom, c'est Mwekasa. Pas Mwekasa. Celui qui va encore m'appeler Mwekasa, je le... John Chilembwe, un jeune pasteur malawite, résiste à l'effort de guerre des Anglais. Il dit, cette guerre n'est pas notre guerre. C'est la guerre des Blancs. On n'a rien à foutre dans le... C'est quoi notre intérêt? Nous n'irons pas mourir pour les Blancs dans leur guerre. Son nom, il a été exécuté. Un jeune pasteur qui sacrifie sa vie pour sa nation. Il influence son peuple à résister au recrutement forcé au Malawi. Il se bat, il lutte, un pasteur. Il aurait pu dire non, c'est la volonté de Dieu, pardon. Il n'a pas fait ça. Il a compris le vrai sens d'être un pasteur. Un pasteur est un leader qui doit avoir une vision, une direction. Et derrière lui s'érige tout un peuple. En attente de son bravoure, son courage, sa direction, ses instructions. Mais aujourd'hui, on aime les voitures, les bénédictions, l'argent, les mariages, les visas. Ah non, tout ce qui est politique, c'est laisser à César ce qui appartient à César. Pendant que les gens souffrent dans la misère, la prière, la peine. Un humain incapable de mourir pour une cause n'est pas digne de vivre. Même Jésus est mort pour une cause. Il a résisté aux Romains. Il aurait pu dire non, en fait non, je ne suis pas le roi des Juifs. Pour vivre, n'avait-il pas peur de mourir, puisqu'il a pleuré?
Mais il a résisté, a accepté de passer à travers cette coupe. Il y a des gens qui ne mourraient même pas pour leur mère, même pas pour leurs enfants, s'ils étaient violés. Ils diraient, ah, c'est la volonté de Dieu. Dieu lui-même sait, lui-même va trouver une solution. Pendant qu'on viole ta mère dans les salons, et tu regardes. Le pasteur John Chilembwe était arrêté et fusillé à bout portant pour avoir dit, ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de blanc. Nous ne sommes pas obligés d'aller y mourir pour des causes que nous ne connaissons pas. Continuons notre histoire. Rentrons chez nos tirailleurs sénégalais. Arrivés en Europe, ils ont été placés à la première ligne d'attaque où ils ont fait face aux Allemands, soldats chevronnés, aguerris, expérimentés. Ils ont essuyé des pertes. Triste début. Coincés dans les tranchées au nord de la France, les tranchées étaient des trous, hein. Ils creusaient des trous comme ça. Vous vous mettez dans deux trous pour éviter à ce que vous soyez atteint par les balles. Vous voyez un peu, c'est une façon de... Ils ne faisaient pas seulement face à un seul ennemi. Des commandos allemands chevronnés. Mais il y avait aussi le froid, l'hiver accablant et paralysant. Une première fois pour tous ces soldats issus des pays tropicaux. Les Africains sont partis en Europe pensant que l'homme blanc était supérieur, mentalement, spirituellement, physiquement, dans tous les secteurs de la vie. Mais c'est dans les combats de tranchées qu'ils ont réalisé que les blancs étaient aussi humains. Et que quand ils mouraient, ils pleuraient leur mère, ah maman, ou leur fille, ou leur fils. Et le sang qui coulait était le même sang. Et c'est là que beaucoup ont été démystifiés. Là qu'ils ont compris, au fait, nous sommes pareils. Il n'y a pas de différence. Si pas plus fort. Les soldats africains étaient principalement recrutés pour leur courage, leur durabilité et leur manque de nervosité. D'après le général Mangin, certains récits disent que beaucoup de tirailleurs sénégalais ne voulaient pas porter des bottes de combat. Ils préféraient travailler pieds nus. D'autres personnes disent qu'on leur avait refusé des bottes. Donc, c'est pas trop qui a raison. Mais en tout, ils étaient courageux, braves, travailleurs. Beaucoup ont connu malheureusement la mort à cause du froid. Des climats complètement différents à leur lieu d'origine. Et ils avaient du mal à résister. Les conditions de combat étaient très difficiles. L'hiver était très rude. Et les tirailleurs sénégalais, incapables de résister, étaient placés dans des camps d'hivernage. Au Kourou, dans le bassin d'Arcachon, un autre camp d'hivernage destiné aux tirailleurs africains surnommé le camp de la misère. Bâti en 1916. Les camps étaient bâtis sur des terrains insalubres. On y laissa mourir plus d'un millier de jeunes tirailleurs africains, touchés par des maladies pulmonaires. Et selon des rapports officiels, on s'est servi des Africains comme cobayes pour expérimenter en dehors de tout protocole médical les vats contre le pneumocoque et sans résultat. Ouais, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, la cobayerie, là. Ce n'est pas aujourd'hui, ça. Est-ce que vraiment personne ne peut nous chanter une chanson? Les Africains ne sont pas des cobayes. Pas des cobayes. Pas des cobayes. Et les jeunes là, ils ne peuvent pas faire une chanson comme ça. Les combats qu'ont menés les tirailleurs sénégalais étaient d'un acharnement extraordinaire. Deux tiers de l'effectif étaient tombés. Ben, c'est normal. Ils étaient à la ligne d'avant, la première ligne, pendant que les généraux étaient derrière. En 1916, quand la guerre a chauffé, les Allemands étaient déterminés à assurer. Ils avaient pris une grande partie de la France. Les Français étaient obligés de rentrer en Afrique pour chercher des hommes, de l'effectif. Ils y ont trouvé 172 000 Algériens, 100 000 Tunisiens et Marocains, 40 000 Malgaches et d'autres Africains. Cette fois-là, beaucoup d'Africains ont résisté à l'effort de guerre. Il y a eu des révoltes au Bamako, au nord de Bamako, en Algérie en 1915 et 16. Pour encourager le recrutement et l'effort de guerre, Blaise Daigne, l'un des premiers officiers sénégalais, dit à ses congénères, « En versant le même sang, nous gagnerons les mêmes droits. » Inconsciemment, j'en suis sûr. Beaucoup ont fait le sacrifice, nombreux sont partis, espérant gagner le même droit. Inconsciemment. Paralysés par le froid en août 1917, 1400 tomberont sous les mitrailleuses allemandes, dont beaucoup de Bambara. Pour l'effort des guerres, les Français ont fait venir des Kanaks de la Calédonie, les Chinois aussi, mais qui travaillaient le fer dans les industries, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Cayennais, les Malgaches. Les tirailleurs sénégalais ont lutté à côté des Français pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré leur courage et leur bravoure, ils étaient appelés la honte noire de l'armée française par les Allemands. C'était une façon de minimiser, de ridiculiser les Français. Vous êtes tellement faibles qu'il a fallu aller faire appel aux Noirs pour assumer votre responsabilité à votre place. La honte noire de l'armée française. Et en 1944, après les grandes victoires de la France, les troupes noires sont dégagées pour un blanchiment de l'armée. Il était important que les populations voient que c'était les vrais Français qui avaient en effet gagné les guerres. Pendant la guerre, il leur a été promis un paiement, hein, des avantages analogues aux avantages que recevaient des Français de souche. Mais arrivé en Afrique, au Sénégal, le salaire qui leur a été promis n'avait pas été délivré. Ils étaient mécontents.
mais aguerri. Alors ils ont sémé de l'inquiétude autour de l'armée française au Sénégal, qui avait décidé de abattre beaucoup de ses militaires, leur accusant de révolte et de rébellion. Bon, les Français ont reconnu cette action, disant qu'il y a eu 35 morts, mais reste à savoir si c'était vraiment 35. Voilà. L'histoire est large et profonde, on ne pouvait malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. On a essayé de tirer ici et là pour apporter quelques images. Voilà. J'espère que vous avez été inspiré. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites-nous savoir. Le tout dans le respect. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouekassa, le guerrier noir, votre frère.